Ouais. Allez, en face, vas-y. Allez. Allez, vas-y, là, allez. Allez, 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 allez. Toute ma vie, j'ai donné aux autres. C'est ma faiblesse. Toute ma vie, j'ai donné. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un week-end très chargé. Donc là c'est la première partie sur le SMC National Tour de Prades-Lys, donc un petit domaine au milieu de la Haute-Savoie. Et puis voilà, donc ça commence avec une mass start 20 km classique, la première de la saison. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on attend le retour de ces mass start, parce qu'on commence à avoir l'habitude des indifs skate, des indifs classiques. Ah, comment on est ? C'est en plein centre. Donc là voilà, on arrive, le paysage est magnifique quoi. Donc on farte les skis pour aller faire quelques tests de glisse, d'accroche, etc. Et puis après on va direct sur la piste. Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve à Prades-Lys, Haute-Savoie, pour le troisième SMC de la saison. Donc avec demain une master classique 20 km, c'est à peu près 15h et je fais la reco de la piste. Voilà, il fait trop beau, le paysage est énorme, c'est vraiment fou hein. Ça pour le coup c'est très rare d'avoir des paysages comme ça, ça fait vraiment plaisir. Voilà, fartage vert 45, honnêtement hein, on n'aurait pas pu rêver mieux. Bon voilà, je vais aller skier sur la piste, faire un petit tour et puis faire quelques accélérations et puis quelques allures courses pour être chaud pour demain. Et bah, passe au fartage en direct. Allez, on est tranquillement en fartage. Matériel complètement halal évidemment, parce qu'il faut zéro fluor. Palais musculaire sur la piste de course, nickel. On rentre en logement, petit déj et puis pas la chauffe pendant 2 heures. Allez, on attaque la reco de la piste. Donc on a une piste très intéressante en classique, donc bien sûr les 3 traces pour cette mass start. Là on arrive tout en haut de la piste, donc on est quand même à plus de 1500 mètres d'altitude, donc ça va taper à mon avis pour la course. Et puis voilà la particularité, on est tout en haut de la piste et la petite flèche indique le Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe. Et la descente est carrément face au Mont Blanc, donc je peux vous dire que même si on n'avait pas eu le temps de regarder le paysage pendant la course, pendant la veille de course, l'échauffement, etc., c'était un régal. Donc là, on a notre zone de classique obligatoire de laquelle on sort. Donc voilà, obligé de passer en classique comme je l'avais expliqué dans la vidéo de la Coupe du Dauphiné de Champs-Rousses. Donc là, on a une petite descente, pas spécialement dangereuse, pas spécialement joueuse, mais voilà, de toute façon, il faut bien redescendre. Et après, on a ces longues parties de plat, entrecoupées par des longues épingles. Du coup, il faut mieux rester dans le groupe pour rester à l'aspiration parce que là ça va avoir une grande importance. Et on fait un dernier petit aller-retour en gros en bas, voilà, avant d'arriver sur une dernière grosse montée et d'arriver sur la ligne. On aura 4 tours à parcourir de 5 km pour faire donc 20 km. Et il faut savoir que ce lieu a accueilli les championnats du monde junior et foire de ski de fond il y a quelques années déjà. Voilà, c'était sur la même piste, donc classe. Allez, le départ est lancé, on est une bonne trentaine au départ et on est parti pour 4 tours donc de 5 km pour ce 20 km classique. C'est la première fois de la saison qu'on fait une distance aussi longue en SMC National Tour. Il va peut-être y avoir des craquantes, on sait jamais. Et donc voilà, évidemment, toujours un départ en classique, c'est très nerveux, on est très serré, donc il faut faire bien attention à ne pas mettre des bâtons sous les skis, sinon on en casse. Voilà, donc carrément, Noah Genest, l'Auvergnat, il manque de tomber, il est juste devant moi, on a Charlie Defic aussi devant moi. Allez, vas-y, j'ai un peu de mal à combler le trou, mais je m'affole pas, c'est juste le départ, tout va bien. Et donc on passe pour la première fois juste à côté de la ligne d'arrivée pour le premier bouclage. J'ai réussi à tenir, je suis toujours très bien placé, ça c'est bien, j'ai réussi à faire des bons choix tactiques pour être placé correctement à la fin de ce premier tour. Allez, vas-y, allez. Mais voilà, ça se corse déjà parce que la course est quand même très difficile et moi j'ai pas une glisse extraordinaire, donc c'est vrai que c'est assez difficile de rester sur les parties planes, etc. Donc j'essaie de m'accrocher coûte que coûte, en tout cas, c'est l'objectif.
Et donc là, on avait vu Félix Caillot qui était derrière Matteo Correa. Il a cassé son bâton. Donc je l'ai laissé passer pour qu'il aille en récupérer un de l'autre côté de la piste. Et finalement, c'est mon père qui va lui donner un bâton à sa taille juste après. Course un peu galère pour lui. Moi, j'ai un peu perdu de jus à essayer de recoller le trou que je lui ai laissé pour le laisser passer. Bref, c'est fait distancer par le groupe qui est juste devant. Timothée Moguin et donc Félix Caillot, on a réussi à revenir. Et donc là, je suis en queue du groupe, là, complètement, juste avant d'arriver au demi-tour tout en haut de la piste. C'est vraiment compliqué, là, je vais pas vous mentir. À la fin de ce deuxième tour, je commence vraiment à craquer, quoi. Alors que, bon, normalement, sur ce genre de longue distance, j'arrive à tenir. Mais là, j'y étais pas du tout aujourd'hui. C'est quand même de faire du mieux que je peux. Là, on voit le groupe. Et comme vous l'aurez remarqué, je suis pas dedans. Moi, je suis derrière, juste derrière donc ce Jurassien. Et c'est très compliqué pour moi, cette course. Là, je suis tout seul. Et quand on est tout seul sur un parcours comme ça, honnêtement, ça paye pas. Parce qu'il n'y a plus l'aspiration pour les longues parties plates. Après, j'essaie de allez, me battre comme allez, je allez, peux allez. Dans les montées. Voilà, je donne des petites indications à mon père qui tenait le ravito. On arrive sur la ligne d'arrivée. Je suis au sprint contre Antoine Millet. Et voilà, je vous laisse voir si je vais perdre ou gagner. Ça donne la 13e place du Dalton Strat. Donc malheureusement, je vais perdre ce sprint. C'était une course avec les U20 et les seniors, donc je termine 6e senior, mais surtout 15e en tout. Sartec. Bon bah allez, on est parti sur la récup. On a mis un peu moins d'une heure. C'était super long. Bon déjà, en plus d'avoir fait une course de merde, j'ai perdu ma gourde. Je suis dégoûté. La gourde Hydrascore. Voilà, la gourde qui était obligatoire sur cette course aujourd'hui parce qu'il faisait chaud et que c'était vraiment long. Franchement, c'était pas très bien. Là, j'ai pas réussi à tenir le groupe plus de 3 tours. J'ai un peu pris le ravito au mauvais moment et puis voilà, le groupe est parti. J'avais pas une piste de ouf. J'avais une bonne accroche. Merci à Robin et au comité, au team Vercors pour le fartage des skis. C'est gentil. Voilà, j'ai lutté avec les armes que j'avais aujourd'hui. J'étais malade en plus donc. Enfin bref, ça fait beaucoup d'excuses, mais pas une course de ouf, donc dégoûté. Et donc du coup, bah, on va vite décamper, parce que demain, c'est le marathon de descente sur le 20 km skate. Voilà, en tout cas, c'était super bien. C'était un beau petit début de week. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, à la prochaine. Toute ma vie j'ai donné aux autres, c'est ma fibre. Toute ma vie j'ai donné aux autres. Toute ma vie j'ai donné aux autres, c'est ma fibre. Toute ma vie j'ai donné aux autres. Faut que tu prennes du temps. Toute ma vie j'ai donné aux autres. Faut que tu prennes du temps.